Bonjour, patron. Bonjour, Orphin. Vous êtes déjà là? Ah, il est 9h30, patron. Oui, oui, d'accord, moi, je suis en retard. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, bah, bien sûr, Orphin, bien sûr. Vous savez pas ce que j'ai fait avant de venir? Je me suis promené, mon vieux. Promené? Ouais, promené, Orphin. Non, bah, écoutez, vous avez vu ce temps? Une belle matinée d'été, non? Alors, j'ai laissé ma bagnole à côté du pont, puis je suis allé marcher sous des arbres pendant une heure. Il faisait beau, ça sentait bon. Ah, une belle matinée d'été, quoi. Vous savez pas la meilleure? Quand j'ai repris ma voiture, devinez ce que j'ai trouvé sous l'essuie-glace. Une contravention? Oui, tout juste. Oui, j'avais pas vu le panneau d'interdiction de stationnement. Vous vous rendez compte, une contravention, moi. Vous avez eu de la chance, patron. Moi, ça, de la chance. Supposez qu'on l'ait collé en fourrière, votre bagnole. Vous voyez le tableau? Le commissaire principal Legrand qui va réclamer sa voiture à la fourrière? Oui, c'est très drôle. Bon, vous avez le compte-rendu de la nuit? Voilà. Merci. Alors, vol d'une camionnette à 22h35, tentative de cambriolage manquée. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Les truands ont filé en entendant des gardiens arriver. Et on les a retrouvés? Qui ça? Les gardiens? Non, mais dites-moi, Ourtin, c'est le ciel bleu qui vous rend facétieux, là. Hein? Excusez-moi, patron. Bon. Non, non, on les a pas retrouvés. Mais ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de dégâts. Une serrure forcée, c'est tout. Bon, on laissera la voie publique s'en occuper. Alors, la suite. Tapage nocturne et ivresse sur la voie publique, vol de deux voitures. Oui, bon, y a rien de très impressionnant, en somme. Bon, y a du monde au trou, là? Un vagabond et deux gamins. Deux gamins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, c'est eux, l'ivresse sur la voie publique et le tapage nocturne. Ah, bon. Ils éclusaient des doubles whisky dans tous les bistrots ouverts à minuit et demi. Alors, la voiture de ronde les a ramassés. Des doubles whisky? Par moyen, ils ont des moyens. On les connaît, ces gosses-là? Jusier Louis et Sandis Pierre. Ah. Ils ont déjà été ramassés 3 ou 4 fois pour des bricoles qui n'ont pas eu de suite. Ouais, ouais. Le mois dernier, on les a pincés en train de forcer la portière d'une voiture. Ah bon, ce sont les mêmes qui... Ah bah, je vois alors. Et ils travaillent, non? Tous les deux, oui. Dans un garage. Quel âge, déjà? Bon, un peu plus de 18 ans. Oui. 18 ans, tapage nocturne. Si on les garde, ça n'arrange à rien. Puis si on les relâche, non plus, d'ailleurs. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, Wotin? Vous savez, moi... Hein, ça... Oui, oui, je vois, vous. Bon, bah, écoutez, hein, il fait beau, alors tant mieux pour eux. Faites-les monter, je vais leur passer un savon, puis ensuite on les enverra travailler. Regardez, amenez les tapages nocturnes. Pas, papier, pas... Dites, patron... Oui pour les vacances... Oui. Quoi? Condrieu doit partir en septembre, mais... Il aimerait bien permuter avec... Oui, entrez. Ah, voilà ces jeunes gens. Tenez, posez ça sur le bureau, brigadier. C'est le contenu de leur poche, je suppose? Oui, monsieur le commissaire. Bon, merci. Vous pouvez disposer. Alors, on continue à vouloir jouer les durs. Et vous n'avez pas le droit de nous garder. Toi, mon petit Jusier, tu ferais bien de te calmer, parce que si je décide de te garder, comme tu dis, j'aurais pas de mal à trouver un prétexte. Ouais. Écoutez, monsieur le commissaire, on n'a rien fait de mal. Et si on va pas au boulot, le patron va nous flanquer à la porte. Eh ben, il ferait pas une grosse perte, votre patron. Parce que vous êtes des drôles de citoyens, tous les deux, hein. Et moi, je commence à trouver qu'on vous voit un peu trop souvent ici. Alors, pour cette fois, je vais bien encore passer la main, mais si vous recommencez à faire les idiots, je vous préviens que ça ira mal. Le dépôt, puis en vitesse. J'ai compris, monsieur le commissaire. Bon. Vous êtes chic, on peut s'en aller? Non, bah, dis donc, Sandis, t'es bien pressé, toi. Tu veux partir comme ça, sans même récupérer tes affaires, là? J'ai pas dit ça. Ah, bon. Parce que moi, je serais curieux de savoir ce que vous avez dans vos poches. Regarde. Qui c'est, ce portefeuille, là? C'est à moi, ça. Ah, bah oui, il y a ta carte d'identité. Alors, Louis Jusier, demeurant 30... Oui, bon, ça serait pas d'intérêt. Oh. Bah, dis donc, t'as fait un héritage, toi? Bah quoi, c'est ma paye. Ta paye? Ouais. Le 17 du mois? Oui. Voilà, 400, 450, 475 francs. Eh ben, près de 50 000 anciens francs, tu trouves pas que ça fait beaucoup, toi? Quoi, ça vous regarde de savoir combien je suis payé? Dis donc, Jusier, je lui ferais bien de le prendre sur un autre temps, hein, parce que sinon... Ben, sinon quoi? Ah, faites pas attention, monsieur l'inspecteur, il est mal vissé ce matin. Oui, ça je m'en rends compte, c'est pas une raison. Dis donc, mes enfants, qu'est-ce que c'est que ça? Ben quoi, vous voyez bien qu'il est en matière plastique, non? Oui, oui. C'est un fort joli pistolet en matière plastique, en effet. C'est bien imité, d'ailleurs. Bon, ça te sert à quoi, ça? À quoi? C'est pour faire rigoler les copains au garage. Voyez-vous, ça. C'est une curieuse façon de se distraire, mais enfin. Puis ça, qu'est-ce que c'est que ça?
Une paire de bas, monsieur le commissaire. Ah oui, c'est pour faire rigoler les copains aussi, ça? Non, j'avais mal à la gorge et il paraît que des bas autour du cou, ça tient chaud. Alors je les ai empruntés à ma sœur. Ah, voilà. Allô? Oui, c'est moi. Oui. Bon, attendez une seconde, hein. Wourtin! Oui. Redescendez-moi ces deux lascars au trou, j'ai pas le temps de m'en occuper pour le moment. Mais notre patron, monsieur le commissaire... Votre patron, il se passera de vous ce matin! Allez, laissez-les en garde à vue, Wourtin, hein. Et grouillez-vous, puis remontez tout de suite. D'accord, patron. Allez, par ici, vous avez... Allô? Oui, Cambrieux, allez-y, mon vieux, expliquez-moi ça. Ah bon, non, pas si vite, attendez, je note. Oui. Vous êtes sûr que c'est un crime? Les voisins ont appelé police secours, bon. Oui, je vois. Ah non, allez-y tout de suite, mon vieux. Je vous rejoins dans un moment avec Courtin, moi, hein, le temps de prévenir le parquet. Eh ben, donnez-moi l'adresse! Salut, Hurtin. Salut. Bonjour, patron. Bonsoir. Eh bien, vous rendez compte, se faire tuer par un temps pareil? Oui, c'est une drôle d'idée. Bon, vous avez fait les premières constatations? Oui, patron. La victime était une certaine madame Veuve Valbonne, Léontine, 72 ans, et elle vivait seule. On l'a retrouvée étendue sur son lit, les poignets et les chevilles attachés, un gros baillon sur la bouche, et on l'a assommée avec une espèce de statuette en bronze. Mobile? Oh, le vol, sans l'ombre d'un doute. Vous allez voir. Tout est sans dessus-dessous dans le logement. L'armoire vidée, les tiroirs renversés. Et naturellement, pas un centime, tout a disparu. Mais elle avait de l'argent, parce qu'avoir l'immeuble où elle demeurait, c'est pas... Oui, elle ne devait pas rouler sur l'or. Non. D'après une voisine, elle touchait une petite retraite, mais elle arrondissait ses fins de mois en gardant les enfants dans le quartier en faisant des petits travaux de raccommodage à domicile. Bon, on va aller voir ça. Le médecin légiste est arrivé? Non, pas encore. Mais l'identité judiciaire est là depuis 5 minutes. Bon, on y va, hein? Oui. Voilà, nous y sommes. Ouais. Ben la pauvre vieille, mon vieux, ils sont acharnés, ces salauds-là. Hein. Regardez, qu'est-ce que c'est, ça par terre, à côté de la table de nuit, là? C'est une tache de sang, non? Ouais. Hein? Ça en a l'air, oui. Vous avez vu cette pagaille? Un vrai rond de marée. Ça, on peut dire qu'ils ont fouillé partout. Seulement, alors, par où sont-ils entrés? Ben, ils ont peut-être sonné. Oh non, ça m'étonnerait. Cette pauvre femme est en chemise de nuit, sans robe de chambre. Oh, puis d'ailleurs, le corps est froid, alors on l'a tué en plein milieu de la nuit. Et puis vous pensez tout de même pas qu'il a ouvert la porte dans cette tenue, non? Ouais. Ils sont peut-être passés par la fenêtre. La fenêtre? Bah oui, il y a des volets de fer. Les femmes âgées, en général, s'enferment soigneusement, surtout quand elles habitent au rez-de-chaussée, oui. Attendez une minute, patron. Oui, je vous en prie. Ils sont plutôt rouillés, les volets. Ouais. S'il a fermé. Moi-même, j'y arrive pas. Alors, vous savez, une vieille femme... Oui, vous pensez donc qu'elle les aurait pas fermées complètement. Oui, évidemment, ça nous donne un moyen d'accès possible. Et pour peu qu'elle ait laissé la fenêtre entrouverte, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ça serait pas surprenant. Qui a alerté police secours? Une voisine, patron. Une certaine madame Mattet, Henriette. Elle habite au deuxième. Elle voulait sortir, mais je lui ai dit de rester chez elle en attendant que vous soyez là. Bon, vous avez bien fait, je vais aller la voir. Restez là, Condrieux, je vous ferai signe en descendant. Dites, voyez avec les hommes de l'identité s'ils trouvent quelque chose. Entendu. Hein. Bon, vous venez, Hurtin? Je vous suis, patron. Madame Mattet? C'est moi, oui. Vous êtes de la police? Oui, madame. Bon, ben, rentrez donc. Je me demandais si vous alliez venir bientôt. Je ne peux pas rester toute la journée à la maison, vous comprenez. Je dois aller travailler. Or, sans compter qu'il va falloir que je me débrouille pour faire garder les enfants. Enfin, le petit. Le grand est à l'école, n'est-ce pas? Oui, c'est vous qui avez découvert le corps de Madame Valbonne. Oui, c'est moi. Vous vous rendez compte? Cette pauvre malheureuse. Oh. Mais qu'est-ce qui a bien pu faire une chose pareille? Bon, racontez-moi ce qui s'est passé.
Eh ben voilà, monsieur l'inspecteur. Je... Commissaire. Oui, voilà, enfin, monsieur le commissaire, si vous voulez. Je suis entrée chez elle comme tous les matins. Je... Comment, tous les matins? Ah ben oui. Oui, il faut que je vous explique, monsieur le commissaire. Je travaille dans un restaurant du quartier, je suis serveuse. Ouais. Je prends mon service à 11h. J'ai deux enfants, l'aîné est à l'école, il mange à la cantine, ça va tout seul. Mais le petit, il n'a que 2 ans et demi. Alors ouais. C'est la vieille Léontine qui me le garde. Ah, enfin, madame Valbonne, je veux dire. Oui, j'ai compris. Tous les matins en partant, j'entre chez elle et je lui laisse le petit. Oh, c'est plus commode que de la faire monter chez moi, vous comprenez. Puis, ouais. À son âge, on n'aime pas tellement se lever tôt. Quand je pars, elle est bien souvent encore couchée. Bah, à son âge, oui, ça, je sais. Bon, alors, ce matin, vous êtes entrée chez elle, oui. Et vous avez découvert le cadavre. Oui, c'est ça, monsieur le commissaire. Allongée sur son lit, les pieds et les mains attachées. Oh, j'ai poussé un cri, vous pensez bien. Et puis le petit qui a vu ça, il y avait du sang partout, et puis tous les meubles qu'on avait vidés. Oh, ça m'a fait un coup. Oui, je n'en doute pas. Bon, vous vivez seule ici? Oui, avec mes deux enfants, monsieur le commissaire. Oh, puis de temps en temps, je... Bah, vous comprenez, mon mari est mort l'année dernière. Oui, alors? Bah alors, vivre seul, c'est pas toujours gai. J'ai un ami, monsieur le commissaire. Ah, bon. Et il était là la nuit dernière? Ah non. Oh non, ça, je le vois pas tous les jours. Bah, il est jeune, vous comprenez. Oui, alors? Bah, il vient surtout quand il a besoin d'argent. Ah, bon. Oui, ouf. J'en gagne pas beaucoup, mais je peux quand même l'aider un peu. Voilà. Dites, monsieur le commissaire, comment je vais faire pour le petit? Je sais même pas qui va me le garder. Bon, maintenant. Vous étiez chez vous hier soir? Oh, bah oui, bien sûr, j'ai fait une petite lessive et puis j'ai... Vous n'avez rien entendu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, vous n'avez pas entendu des bruits suspects, pas une dispute, des cris. Ah. Même une vieille dame ne se laisse pas assassiner sans essayer de se défendre. Ah. Puis les cambrioleurs ont dû faire du bruit en fouillant son logement. Oui, bah, j'ai entendu quelque chose, mais je me suis dit que c'était les Murolles. Les Murolles? Qui est-ce? Bah, les voisins qui habitent juste au-dessous de chez moi, monsieur le commissaire. Ils se disputent souvent, alors moi j'ai cru que c'était eux, encore une fois. Si j'avais pu deviner ce qui se passait, vous pensez bien. Je serais tout de suite descendue pour l'aider, cette pauvre Léontine. Madame Valbonne avait-elle de l'argent? Oh, la pauvre. Tout juste de quoi vivre. Et encore, fallait qu'elle travaille. Elle me gardait le petit et moi, je lui faisais à dîner en échange. Puis elle travaillait un peu pour les voisins. Ouais. Enfin, tout ça. Dites-moi, monsieur le commissaire, je m'excuse, mais il faut que je m'en aille, moi. Sans ça, je vais encore avoir des ennuis avec le restaurant. Bon. Puis il faut que je trouve encore quelqu'un pour me garder le petit. Tout de même, cette pauvre vieille, si c'est pas malheureux. Vous y restez jusqu'à quelle heure dans votre restaurant, là? Jusqu'à 4h. Je déjeune après le service, vous comprenez? Ouais. Puis je retourne à 6h30 pour le dîner. Bon, eh ben, vous pouvez y aller. Seulement, il faudra que vous passiez au commissariat pour faire votre déposition, hein? Alors, ah vous viendrez vers les, je sais pas, moi, disons 5h cet après-midi, ça va? 5h, hein? Mais et le petit, monsieur le commissaire, comment je vais faire pour... Oh, ben, je suis sûr que vous vous débrouillerez. Allez. Ah alors, bon. 5h, hein, madame Maté? Bon, très bien. Bon. Voilà. Eh ben, au revoir, monsieur le commissaire. C'est ça, merci. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Eh voilà, très bien. Eh, dites-donc, la langue bien pendue, celle-là. Le petit, monsieur le commissaire, cette pauvre vieille, mon patron qui m'attend en restaurant. Oui, vous savez, Hourtin, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de rencontrer des cadavres tous les jours et qui sont émus quand ils découvrent une vieille voisine qu'ils connaissent bien assassinée dans son lit, hein, ouais, quand même. C'est ce que j'en disais, moi, vous savez. Oui, bon. Bon, je vais aller voir où on est Condrieux avec le médecin légiste et les services de l'identité. Alors, pendant ce temps-là, interrogez les voisins, convoquez-les au commissariat pour faire leur déposition, d'accord? Entendu, patron. À tout à l'heure. Allez. Bon, Condrieux. Ah, vous voilà, patron. J'allais justement monter vous rejoindre. Oui, vous avez du neuf? Oui et non. Le légiste, d'abord. Il vient de repartir en emportant le corps. Bien entendu, il ne pourra se prononcer avec exactitude qu'après autopsie. Mais il pense que le crime a été commis vers 11h hier soir. Vous savez, le meurtrier s'est acharné sur la victime. Oui, ben ça, merci, j'ai vu. Le toubib pense qu'il n'y a pas eu de bagarre. On a dû surprendre la victime, l'attacher, la bâillonner sans qu'elle ait eu le temps de se défendre. Sa chemise de nuit était intacte et il n'y a pas de trace de coups sur le corps. Ah bon, c'est intéressant, ça. Il y a autre chose? Non, pour le légiste, non. Mais en revanche, les gars de l'identité... Ouais, ils ont trouvé des empreintes? Oh, des tas, comme toujours. Elles se chevauchent, puis elles sont illisibles. Ouais. Mais pourtant, quelqu'un a soigneusement essuyé un certain nombre d'objets pour effacer les traces. Mmh. Et par exemple, la statuette avec laquelle on a tué la vieille dame. Oui, oui, je vois. Bon, et puis? Ah, votre supposition pour les volets, patron. Ah, oui. Eh ben, vous aviez raison. Ah. Il y a des éraflures sur la balustrade. D'après les traces de rouille,
L'équipe de l'identité pense que les volets n'étaient pas complètement fermés. Voilà. Alors c'était donc facile de les ouvrir. Quant au loquet qui sert à les maintenir, on y a trouvé des marques toutes fraîches. Il semble bien que quelqu'un ait glissé une lame dessous pour le soulever. Bon, c'est parfait ça. Alors, il y a autre chose aussi, non? Ah, plutôt, oui. Mais j'ai gardé ça pour la bonne bouche. Ah. Venez voir, tenez. À côté de la table de nuit. Vous voyez? Là, cette lame de parquet. Regardez. Ah, ben, c'est une cachette, ça. Ouais, hein? Exactement. La planche de bois était simplement posée, pas clouée. Oui. La cache était vide, mais les gars de l'identité ont eu la curiosité de gratter un peu dans le sable, en dessous des lames de parquet qui entourent celle-là. Patron, ouais. Devinez ce qu'ils ont trouvé. Bon, écoutez, me faites pas languir, mon vieux. Hein, une pièce d'or. Ouais, ouais, parfaitement, une pièce d'or. Ah, bon. Alors, autrement dit, la vieille Madame Valbonne n'était pas aussi pauvre qu'elle le disait. Ouais. Elle avait un petit trésor caché sous son parquet. Et les cambrioleurs ont fini par lui faire avouer l'endroit où elle le cachait, le petit trésor. Ouais, exactement. Eh ben, dites donc, mon vieux, ça prend encore, tout ça. Il manque plus qu'un petit détail. Ah, lequel? Connaître l'identité du ou des cambrioleurs assassins. Ouais, c'est ça, évidemment. Bon, ben, mon vieux, on n'a plus rien à faire ici. Alors, Hourtin nous joindra au commissariat après avoir tiré les verres du nez des voisins. Allez, venez, j'aimerais bien que vous me tapiez votre rapport en vitesse. Bon, hein. Ben, on y va, pas de... Je devais vous envoyer un bordereau. Quel bordereau? Ah, oui, j'ai oublié. Bon, il vous le faut quand? Ce soir? Oh, non, c'est pas possible, ça. Bah oui, mais j'ai une affaire de meurtre qui m'est tombée sur le dos ce matin. Vous pensez bien que je peux pas m'occuper du mobilier métallique? Bah oui, mais... Si, c'est bien, on en a besoin au commissariat, mais écoutez, la semaine prochaine, si vous voulez. Bon, enfin, écoutez, je vous dis que j'ai pas le temps. Bon, ben, je vais essayer de me débrouiller, mais ça m'arrange pas, hein, ça... Oui. D'accord. À bientôt. Au revoir, madame. Condrieux. Oui. C'est fini, le rapport? Oui, dans une minute, patron. Bon, parfait. Aussitôt que ce sera fait, vous me dresserez la liste de tous les bureaux, sièges et classeurs métalliques dont nous avons besoin. Le service du matériel la réclame pour ce soir, sinon il faudra attendre encore un an. Ah, c'est beaucoup plus urgent que l'affaire Valbonne, alors. Oui, beaucoup plus urgent. Entrez! Jamais tranquille, ici. Ah, c'est vous, Hourtin. Oui, c'est moi. Vous avez vu les voisins? Oui, enfin, ceux qui sont là. Vous vous souvenez de la disposition de l'immeuble, hein? À peu près, oui. Oui, il n'y a que deux étages. Le rez-de-chaussée à gauche, le logement de la victime. À droite, c'est un magasin d'alimentation minable, une sorte d'épicerie. J'ai vu le propriétaire de la boutique, il est arrivé à 9h ce matin sans être au courant de rien. Et il est bouleversé par la mort de la vieille dame qu'il aimait bien. Et tout le monde l'aimait bien, d'ailleurs, dans le quartier. Alors, dites, patron... Et si vous voulez bien, je vais enlever ma veste avec cette chaleur. Oui, oui, allez-y, mon vieux. Bon, les autres locataires. Bon, alors, premier étage à droite, oui, merci. Bon. Premier étage à droite, je vous disais, c'est un certain Ascari, un maçon italien, absent de Paris depuis une vingtaine de jours. Il travaille pour une entreprise qui a des chantiers un peu partout en France. J'ai téléphoné, on m'a confirmé qu'il se trouvait à Lyon. Il doit rentrer à la fin de la semaine. Oui, un témoin de moins. Bon, les autres logements. Alors, deuxième étage à droite, un autre témoin sur lequel nous ne pouvons pas compter. Il est gardien de nuit dans une usine des environs. Pour lui aussi, j'ai obtenu confirmation. Il a quitté son poste à 7h ce matin. Il est rentré directement se coucher chez lui. J'aime pourtant vous dire qu'il n'était pas content quand je l'ai réveillé. C'est un détail, ça. Voilà. Deuxième étage gauche, Henriette Matet, la bonne femme que nous avons vue ce matin. Elle habite là avec ses deux enfants. Elle a un amant qui vient de temps en temps, mais... C'est elle qui paye le loyer. Oui, je sais. Mais dites donc, il manque un logement dans votre inventaire, là, le premier étage à gauche. Attendez, j'y viens, patron. D'abord, j'ai cru qu'il n'y avait personne. J'ai tambouriné pendant un quart d'heure à la porte avant qu'on se décide à m'ouvrir. Ce sont des murales. Vous savez? Les gens qui se disputent sans arrêt, d'après ce que nous a dit Madame Matet. Oui, je me souviens de ça. Bon, alors. Alors, à force de cogner à la porte, j'ai fini par réveiller Madame Murol. Mais pas son mari. Quoi, il dormait? À 11h du matin, malgré les allées et venues de l'immeuble? Ah, mon Dieu, on peut dire qu'il a le sommeil lourd. Plutôt. Il avait une bonne raison pour ça. Le bonhomme était ivre-mort. Ah, bon. Sa femme ne valait d'ailleurs pas beaucoup mieux. J'ai essayé de l'interroger, mais elle était tellement abrutie que j'ai fini par laisser tomber. Je lui ai dit de réveiller son mari. Pendant qu'il se préparait, je me suis renseigné sur eux dans le quartier. Et alors? Pas brillant, patron.
Ils ont une triste réputation. Ils boivent tous les deux, se disputent sans arrêt. D'après l'épicier, de plus y avoir un meuble ni une assiette entière chez eux, tellement ils se battent. Lui ne travaille pas, on le voit traîner toute la journée dans la rue, de bistrot en bistrot. Et elle? Elle prétend faire de la couture à domicile. Elle m'a montré sa machine à coudre, on ne savait rien dire. Et je vous les ai amenés, patron, ils sont à côté. Eh ben, c'est parfait, on va les interroger, tiens. Allez, me les chercher, Hourtin. Vous allez venir par ici? Oui, tous les deux. Voilà, asseyez-vous. Alors, vous vous appelez bien Murol? Murol, oui. Oui, monsieur le commissaire. Vous avez des papiers? Voilà, voilà, monsieur le commissaire. Merci. Bon, et vous? Voilà. Voilà. Bon. Alors, vous demeurez tous les deux dans le même immeuble que Madame Valbonne. Vous savez qu'elle a été assassinée la nuit dernière. Bah, oui, l'inspecteur nous l'a dit tout à l'heure. Où vous trouviez-vous la nuit dernière, entre 22h et minuit? Chez des amis. Des amis, oui. Vous en êtes sûr? Bah, puisque mon mari vous le dit, monsieur le commissaire. Bon, admettons. Où habitent-ils, vos amis? 37 rue de Paris. Oui. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous? Ah, bah, si vous croyez que j'ai regardé l'heure, moi, je sais pas, il était peut-être minuit et demi. Ouais, ouais. Oui, la rue de Paris, c'est pas bien loin de chez vous. Il vous a certainement pas fallu plus de 10 minutes pour faire le trajet. Il était donc plus de minuit quand vous avez quitté vos amis. Pourquoi vous dites ça, monsieur le commissaire? Bah, parce que je tiens à vérifier votre alibi. Puis d'ailleurs, ça va être facile. Hourtin, envoyez donc un inspecteur chez les amis en question pour vérifier l'heure à laquelle monsieur et madame Murol les ont quittés cette tôt. 37 avenue de Paris, oui. 37 avenue de Paris. Oui, comment s'appellent-ils, vos amis? En réalité, on n'est pas partis très tard de chez eux. On s'est promenés tous les deux. Ah, tiens. Ah oui. Et alors, naturellement, vous n'avez rencontré personne qui puisse certifier que vous n'étiez pas chez vous à l'heure où madame Valbonne a été assassinée, n'est-ce pas? Ben, dites donc, monsieur le commissaire, vous n'allez quand même pas essayer de me coller ça sur le dos? Non, non, Murol, pas pour le moment, du moins. Mais je suis quand même bien obligé de constater que vous n'avez pas d'alibi. Un alibi, un alibi. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, vous autres les poulets. C'est quand même malheureux. Dites donc, à vous entendre, j'ai l'impression que vous en avez une grande habitude, vous, des poulets. Je me trompe? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Patron, vous voulez que je téléphone au sommier pour me renseigner? Ah bah oui, c'est une bonne idée, ça, Hourtin. À moins, attendez, à moins que Monsieur Murol ne veuille bien nous donner des renseignements lui-même, ce qui serait beaucoup plus simple. Et voilà, parce que j'ai eu une malheureuse histoire avec la police, vous allez immédiatement m'accuser. Qu'est-ce que vous appelez une malheureuse histoire? Une condamnation? Ouais. Enfin, non. Deux. Ah. De toute façon, on finirait bien par le savoir, alors. Ouais. Mais c'était des bricoles. Oui. Quel genre de bricoles? Oh. 2 mois pour coups et blessures. La première fois, oui. La deuxième fois. Ben, on va le qualifier. Ah, combien? 3 ans. 3 ans? Eh ben, mon bonhomme, c'est ça que vous appelez des bricoles, vous? Quand avez-vous été libéré? En février. Il y a 5 mois? Ben, dites donc, 3 ans pour vous le qualifier, vous avez dû écoper aussi de quelques années d'interdiction de séjour, non? Vous êtes content, hein? Vous avez un beau prétexte pour me coller au trou, maintenant. Ah, ça, mon vieux, alors c'est réglé comme du papier à musique. Et vous, madame Murol? Ah, ben non, moi, je suis pas interdite de séjour, moi. Non, mais... Oh. Vous avez quand même un petit casier, hein. Bon. Eh ben, je commence à y voir plus clair. Ça y est? Ça y est, vous êtes persuadé que nous avons tué la vieille? Et je me demande comment vous allez le prouver, parce que j'aime autant vous dire que c'est pas nous. Oh, bon, ben, c'est ce qu'on verra. Vous la connaissiez bien, la victime? Oh, trop. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Personne ne pleurera, celle-là, allez. Une vieille chibie, toujours en train de se mêler des affaires des autres, puis de pleurs et misère. Avec tout le fric qu'elle avait mis de côté. Ah, pourquoi? Parce qu'elle avait de la fortune? Oh, ça dépend de ce que vous appelez de la fortune, mais... Ouais. Elle avait un bon magot, là, soigneusement caché quelque part. Ça, vous pouvez en être sûr. Comment le sais-tu? Mais elle me l'a dit un soir où on s'était disputés toutes les deux. Mais à quel sujet, cette dispute? Oh, elle avait la manie de me donner des leçons de morale, alors. C'était avant que mon mari sorte de prison. Elle me conseillait tout le temps de le laisser tomber, d'aller refaire ma vie ailleurs. Elle disait comme ça que je pourrais travailler honnêtement et mettre de l'argent de côté. Comme moi, elle disait. Alors, moi, j'ai fait remarquer que son magot, il lui servait pas à grand-chose. Parce qu'elle vivait de façon plutôt misérable, hein, croyez-moi. Alors, elle s'est mise à rigoler. Elle m'a dit qu'elle avait l'intention de partir bientôt à la campagne, qu'elle s'achèterait une maison pour passer ses vieux jours. Oh, dites ses vieux jours, vous vous rendez compte? À son âge. Qu'est-ce qu'elle vous a dit où elle cachait sa fortune? Oh, pensez-vous. Elle m'en a parlé pour me faire râler, mais
Tenez pas à me donner trop de détails. Hein. Mais il avait peut-être raison, remarquez. Bon, revenons-en à votre soirée d'hier. Quelle heure était-il quand vous êtes parti de chez vos amis? Je vous ai déjà dit que je m'en souvenais pas. Pourquoi? Vous étiez déjà ivre? Oh, bien sûr que non, on avait bu un peu. Tous les quatre, là, mais pas trop. Et vous vous êtes promené pendant une heure ou deux avant de rentrer chez vous? Et alors, c'est défendu avec la chaleur qu'il faisait hier soir. C'était pas désagréable de prendre un peu l'air. Vous êtes disputés tous les deux? Pourquoi vous voulez qu'on se soit disputé? Non, je ne le veux pas. Mais d'après ce que disent les voisins, ça vous arrive souvent. Oh là là, on se chamaille un peu quelquefois, d'accord, mais... Bon, alors hier soir... Je me rappelle pas. Pourquoi? Bah... on avait peut-être bu quand même un verre ou deux de trop. C'est pour ça que je me souviens pas de l'heure à laquelle on est rentré. Et c'est pas idiot, votre système de défense. Nous étions ivres morts, alors forcément, nous ne pouvons pas nous souvenir de ce que nous avons fait. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous savez bien que je ne l'ai pas tué, moi. Pourquoi tu dis ça, Jeannette? Tu ne l'as pas tué, c'est pas moi non plus. Oh, je n'ai pas dit ça non plus. Taisez-vous, hein, vos scènes de ménage, là, ça ne m'intéresse pas. Même, allez, Ourtin. Assez. Ourtin, vous allez me les faire descendre tous les deux. Une cellule pour chacun, je ne veux pas qu'ils puissent se concerter. Ouais, ça, alors... Bon, puis vous deux, écoutez-moi bien, hein, vous n'avez pas d'alibi, vous étiez en mauvais terme avec la victime. Le moins qu'on puisse dire de votre passé, c'est qu'il est chargé, alors vous feriez bien de réfléchir, hein. Cet après-midi, je vous interrogerai de nouveau. Vous aurez peut-être retrouvé vos esprits à ce moment-là. Vos esprits et la mémoire. Mais monsieur le commissaire, puisque je Il n'y a vous pas dis... de monsieur de commissaire. Ouais, bon, allez-y, Ourtin. Mais... Laisse tomber, Jeannette, laisse tomber. Venez, vous discuterez plus tard. Cambrieux. Oui, voilà, patron. Alors, le mobilier métallique, ça avance? Oui, j'ai presque fini. Bon, bah écoutez, moi je vais déjeuner. Quand vous aurez terminé, posez la liste sur mon bureau. Hein. Entendu. Quoi? Le meurtre, ça avance aussi? Ah, pas de géant, vous n'aurez qu'à demander à Ourtin de vous raconter. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bon appétit, patron. Merci. Dis donc, Ourtin, tu as parlé des vacances au patron? J'avais commencé ce matin, mais on a été dérangé. Ah, essaye de lui en dire un mot cet après-midi. Tu comprends, ma femme prend son congé au mois d'août, alors ça serait quand même idiot que nous ne puissions pas partir en même temps. Oui, d'accord, je m'arrangerai pour bien tarder tout à l'heure. Tu as fini l'état du mobilier métallique? Oui, je l'ai même gonflé un peu. Comme ils ne donneront certainement pas tout ce que nous demandons. Ça a bien fait. Tiens, ça y est, il est rentré. Hé, pense aux vacances. D'accord. Vous avez appelé, patron? Oui, il n'y a rien de neuf. J'ai demandé au sommier ce qu'il savait sur les murales. Dites donc, leurs casiers sont plutôt chargés. Lui, il n'a pas eu 2 condamnations, mais 5. Et 10 ans d'interdiction de séjour. Ah. Quant à elle, elle a été 2 fois en cabane. Escroquerie au petit pied. Eh ben, c'est pas mal, ça. Bon, et leur fameux ami de la rue de Paris, là? Je suis passé chez eux en allant déjeuner. Oui. Le mari n'était pas là, mais j'ai vu la femme. D'abord, ce ne sont pas des amis, mais de vagues relations. Ils n'ont pas l'air du tout de porter les murales dans leur cœur. Hier soir, le mari les a flanqués dehors de bonne heure. Pour quelle raison? Ben, quand les murales sont arrivés chez eux, ils étaient déjà à moitié ivres. Ils avaient nettement l'intention de vider encore 1 ou 2 bouteilles. Alors au bout d'une heure, ils ont commencé à se disputer comme des chiffonniers. Il paraît d'ailleurs que ça se passe toujours comme ça. Monsieur et Madame Mural ne peuvent pas se trouver face à face pendant 10 minutes sans se lancer les pires injures à la tête. Alors, leur copain en a eu assez, bien sûr, et il les a priés d'aller s'engueuler ailleurs. Oui, et quelle heure était-il? 10 heures, et quelques minutes près. Donc, il n'y a pas d'alibi, hein? Exactement. Bon, ben, c'est intéressant, ça. À part ça? Bah, rien de spécial. Ah, si. La chaleur. Ah, oui. Bah, ça, alors, je parlais dans un temps. J'irai bien à la pêche, moi, tiens. Oh, c'est quand même dommage de devoir s'occuper d'un meurtre par une belle journée d'été comme celle-ci. Mais enfin, qu'est-ce que... Dis donc, à propos d'été, patron. Oui. J'avais commencé à vous parler des vacances ce matin. Oui, pardon. Allô? Ah, bonjour, docteur. Bon, dites, ça avance, cette autopsie? Oui? Ah, c'est curieux, ça. Oui. Oui. Et à part ça, vous n'avez rien remarqué d'autre? Ah, bon, droite ou gauche? Oui. Bon, d'accord. Oui, bon, dites aussitôt que votre rapport sera prêt, envoyez-le-moi, hein. Merci. D'accord, au revoir, docteur. Oui. Bon, c'était le médecin légiste, ça. C'est du nouveau? Oui, il a noté 2 faits bizarres. Il n'y a manifestement pas eu de lutte, mais la victime a néanmoins reçu une gifle peu avant sa mort. Elle porte une légère ecchymose sur la joue gauche,
soulignée par une petite estafilade, probablement la trace laissée par une bague d'ailleurs. Et l'autre anomalie? L'autre anomalie, c'est qu'on l'a ligotée deux fois. Deux fois? Oui. Il y a deux séries de traces autour des poignets et des chevilles. Une première bien nette, profondément marquée dans les chairs, due sans doute à des liens très serrés. Alors ensuite, il semble qu'on l'ait détaché, puis de nouveau ficelé, parce que la deuxième série de traces correspond au lien qui la maintenait quand nous l'avons trouvé. Ceux-là étaient beaucoup plus lâches et les traces sont moins nettes, enfin moins creusées. Quoi. Ça alors. Et vous comprenez ce que ça veut dire? Et pourquoi l'a tué? Oui, c'est la question que je me pose. Ils se sont peut-être rendus compte à la dernière seconde qu'elle risquait de les reconnaître, de les identifier. Pour qu'ils aient été au courant de l'existence du trésor caché, il fallait que ce soit des gens du coin, des voisins peut-être. Oui, mais elle les aurait immédiatement reconnus. Non, pas forcément, parce qu'ils ont pu essayer de masquer leur trait d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, il y a quelque chose qui leur a échappé, quelque chose qui a permis à leurs victimes de les identifier, quelque chose qui les a obligés à la supprimer, quoi. Ah oui, ça se tient bien. Des gens qu'elle connaissait, qu'elle rencontrait souvent, des voisins. Une fois de plus, nous retombons sur les murales. Les murales? Vous n'avez pas l'air convaincu, patron. Vous l'avez pourtant dit vous-même. Ils n'ont pas d'alibi. Ils n'aimaient pas la vieille dame. Ils étaient au courant pour le magot. Tous les désignes. C'est justement ça qui me fait hésiter. Soyons logiques pourtant. Voilà deux chevaux de retour, de truands professionnels qui savent comment monter un gros coup. Alors ça vous paraît normal qu'ils laissent tellement d'indices derrière eux? Qu'ils rentrent se coucher en attendant l'arrivée de la police? Oui, évidemment. Ou alors à moins qu'ils soient montrés extraordinairement intelligents et fait en sorte au contraire que tout les accuse. Pour que précisément ce faisceau de présomption finisse par les innocenter. Et si nous faisions une perquisition chez eux? Pourquoi faire? Pensez bien que s'ils ont volé des pièces d'or et tué la vieille dame, ils ont pris soin de planquer soigneusement le magot avant de rentrer chez eux pour se coucher. On pourra tout retourner, sans espoir de retrouver la moindre pièce à conviction. Eh bien, autrement dit, nous ne sommes guère plus avancés. Un peu de patience, Fourtin. Vous savez bien que ce genre d'enquête ne trouve pas sa solution en 5 minutes. Le médecin légiste peut encore découvrir autre chose. L'identité n'a pas fourni son rapport. D'accord, mais si nous n'avons rien de précis demain, la brigade criminelle va prendre l'affaire en main. Si nous n'y arrivons pas, tant pis pour nous. C'est la criminelle qui démêlera l'histoire. Et puis comme ça, on pourra profiter du beau temps, tiens. Les affaires courantes ne doivent pas nous accaparer au point de nous faire oublier le ciel bleu. Regardez-moi ça. Dites, patron, à propos d'affaires courantes, oui. Il faudrait penser aux deux gamins. Les gamins, c'est vrai, je les avais oubliés, ceux-là. Il n'y a qu'à les libérer, moi. Leurs affaires sont toujours ici? Oui, dans ce carton, là. Passez-le moi, quand même, que je regarde quelque chose. Merci. Je demande ce qu'ils voulaient faire avec ce pistolet en matière plastique, là. Épater les copains, c'est bon à 12 ans, mais pas à 18. C'est comme les bas que Senlis prétend avoir chippé à sa sœur pour se les mettre autour du cou. En tout cas, ils sont neufs, ces bas. Tiens, regardez. Voilà. Le pli est encore apparent sur le pied. S'ils avaient été portés, on ne le verrait plus. Ouais, c'est exact. Puis les 50 000 francs, faudrait demander à l'employeur de Jusier si celui-ci a vraiment demandé une avance sur sa paye. J'y crois pas beaucoup, d'ailleurs. Ouais, moi non plus. Non, si vous voulez mon avis, ces gamins arrosaient quelque chose la nuit dernière. Quelque chose qui leur a rapporté de l'argent. Souvenez-vous du compte-rendu. À minuit et demi, ils buvaient des doubles whisky dans tous les cafés encore ouverts. Ouais. Des doubles whisky? C'est cher, non? C'est pas avec leur paye de mécano qu'ils devaient avoir souvent l'occasion d'en boire des doubles whisky. Ouais. Ouais, vous avez raison, Hourtin. Je me demande... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans leurs affaires? Regardez voir un peu. Deux mouchoirs. Ouais. Un trousseau de clés. Un paquet de cigarettes entamées. Un couteau de poche à la menthe. Attendez, montrez-moi ce couteau-là. Allez dedans, regardez Hourtin. Regardez un peu ça, les taches de rouille là, sur la lame. Allez les chercher, vos deux gamins. Moi, j'ai l'impression que la conversation va être intéressante. Allez vite, mon vieux, vite, 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 filez. Allons les enfants, c'est inutile de vous obstiner comme ça, puisque nous avons tout reconstitué. Vous êtes pas bien, vous, non? Attends une minute, tu vas voir si je suis pas bien. En avant tout de suite, tu arrangerais tes affaires, tu sais. Et vous, Senlis, vous continuez à nier? Naturellement, monsieur le commissaire. Nous avons un peu trop bu, d'accord, mais de là à faire ce que vous dites, non. Vous en êtes bien sûr? Et puisque je vous le dis. Évidemment. Et puis d'abord, vous n'avez pas le droit de nous garder.
Vous devez nous relâcher. Tu vas pas recommencer ta rengaine, toi. Mais qu'est-ce que vous avez à nous reprocher, hein? Je vous le demande. Rien du tout. Mais c'est bien comment de nous prendre comme tête de Turc? Parce que nous nous sommes saoulés hier soir. Parfait. Alors, nous allons tout reprendre au commencement. Qu'avez-vous fait en sortant du garage hier soir? Nous sommes allés dîner. Ensemble? Eh oui, monsieur le commissaire. Bon. Et après? Nous nous sommes promenés, il faisait chaud. Vous étiez seuls? On a rencontré des copains. Lesquels? Je vous ai déjà donné leur nom tout à l'heure. On commence. Louis, un autre type qui travaille au garage. Et Michel, un voisin. C'est tout? Josette, une amie de ma sœur. Quelle heure était-il? Comment voulez-vous que je me souvienne? 10 heures, peut-être. À quelle heure êtes-vous allé chez la vieille dame? Et quelle vieille dame? Allez, ne fais pas l'innocent. Tu sais très bien de qui nous voulons parler. La vieille madame Valbonne, Léontine Valbonne. Je sais pas qui c'est, moi. Tiens, c'est curieux, ça. Tu habites pourtant à côté de chez elle? Tout le monde la connaît dans le quartier. C'est pas ce que je voulais dire. Alors? Nous ne sommes pas allés chez elle hier soir. Je suis pas de votre avis. Je crois, moi, que vous êtes passé devant chez elle vers 11 heures. Vous avez remarqué que ses volets étaient entrouverts. La rue était silencieuse, les voisins dormaient. Comme tout le monde dans le quartier, vous avez entendu parler du trésor qu'elle cachait. Alors l'un de vous a soulevé le loquet du volet avec son couteau. Mais c'est pas vrai, ça ! Vous êtes entré dans la pièce. La vieille dame s'est réveillée, mais vous a pas reconnu, car vous aviez eu soin de vous recouvrir la tête d'un bas, en guise de cagoule. Vous l'avez menacé avec le pistolet en matière plastique. Ah, vous êtes complètement fou. Vous l'avez bâillonné et ligoté. Ensuite, vous avez fouillé les armoires à la recherche du magot. Mais vous n'avez trouvé que 50 ou 60 000 francs, ceux qui étaient dans le portefeuille de Jusier quand vous avez été arrêté, ceux que vous avez commencé à dépenser dans les bistrots du quartier. Mais monsieur le commissaire, je vous jure que... Seulement, ce qui vous intéressait, c'était pas ça. Alors vous avez giflé la vieille dame, Jusier. Non! Tu... Elle porte la marque de votre bague. La chevalier à que vous portez la main droite. Elle était terrorisée, la pauvre vieille. Alors vous l'avez détachée, elle s'est levée, et elle vous a montré la cachette. Seulement, l'un de vous a fait une gaffe, je sais pas laquelle, et elle vous a reconnu. Et alors, il n'y avait plus qu'une chose à faire, la tuer. Mais non, monsieur le commissaire, je vous jure que c'est pas vrai! Vous pouvez jurer tout ce que vous voudrez. Les spécialistes de l'identité judiciaire n'auront pas de mal à retrouver vos empreintes dans le logement de la victime. Oui, ben ça, les empreintes, vous pouvez toujours les chercher, les empreintes. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste, là, cette dernière phrase? Ben quoi, rien du tout. Rien du tout. Hein? C'est curieux. Parce que les cambrioleurs assassins ont pris soin d'effacer toutes les empreintes qu'ils avaient pu laisser dans le logement. Enfin, presque toutes. Mais il a bien renseigné, Jusier. Je dirais plus rien, moi. Oh, si, mon bonhomme. Tu vas nous dire beaucoup de choses, au contraire. Allez, tu crois pas qu'il est temps d'avouer la vérité? J'ai rien à dire. Alors explique-nous le sens de ta phrase, les empreintes, vous pourrez toujours en chercher. Ouais, c'est pas ce que je voulais dire, moi. Alors, patron, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop, Hortin. Ils ont fini par avouer pour le cambriolage, mais le meurtre, ils se refusent à en endosser la responsabilité. Oui, d'après eux, ils sont contentés de voler 60 000 francs qu'ils ont trouvés sous une pile de serviettes. Le trésor, ils n'y auraient pas touché. Ils ne s'en seraient même pas préoccupés. Ils affirment être repartis 5 minutes après leur arrivée, en laissant la vieille dame ligotée et bâillonnée sur son lit. Ouais. C'est tout juste si Jusier a fini par reconnaître qu'il l'avait giflé. Oui, c'est peut-être vrai, d'ailleurs. Alors quoi? Il y aurait deux affaires distinctes. Ça me paraît compliqué. Non, pas forcément, mon vieux. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine mal ces deux gamins en train de tuer Madame Valbonne. Non, de deux choses l'une. Ou bien le meurtre a été commis de sang-froid, et ça, je crois pas qu'ils aient l'envergure nécessaire. Ou alors on l'a tué sans réfléchir, quoi, sur un coup de sang. Et dans ce dernier cas, il n'aurait pas attendu d'être dans le logement depuis plusieurs minutes. Il l'aurait abattu en arrivant. Et leur patron, qui est-ce? Ça, j'aimerais bien le savoir, mon vieux. Si nous admettons qu'ils aient dit vrai, il faut reprendre le meurtre comme une affaire distincte, sans rapport avec le cambriolage. Quelqu'un entre, découvre Madame Valbonne attachée sur son lit, la délie, lui fait avouer où se trouvent les pièces d'or, la ligote de nouveau et lui défonce le crâne. Alors, on retombe une fois de plus sur le même problème. L'assassin est certainement quelqu'un du quartier. Quelqu'un qui connaissait par ouï-dire l'existence du trésor caché par la vieille dame. Quelqu'un qui a su tirer parti des circonstances en essayant de faire endosser la responsabilité du crime au cambrioleur qui était passé avant lui. Oui, c'est exact. C'est quelqu'un que nous recherchons maintenant. Quelle trace a-t-il laissé de son passage? Des liens moins serrés que les premiers autour des poignets et des chevilles de la victime,
des coups répétés sur le crâne. Eh bien, dites donc, il fallait avoir le cœur bien accroché. J'ai l'impression que notre meurtrier doit avoir de lourds antécédents. Oui, c'est probable. Il se commence même à avoir une idée sur son identité. Un casier judiciaire, mais pas assez de force pour serrer les liens aussi forts que l'avaient fait les deux jeunes gens un moment plus tôt. Je vois à qui vous pensez, patron. Ah, vous avez raison. Elle nous a parlé du trésor caché par la vieille. Donc elle était au courant. C'est Madame Murad. Bravo, Hortin. J'ai l'impression que cette fois-ci, nous sommes sur la bonne piste. Vous voulez que je la fasse monter ? Pas elle, non. Son mari. C'est lui qui va nous dire la vérité, je vous le parie. Vous croyez ? Oh, j'en suis convaincu, mon vieux. Peut-être. Je vais le chercher, alors ? Non, attendez une minute, parce qu'il fait une de ces chaleurs. Ah, là, tiens. Allons donc boire une bière, d'abord. T'as réfléchi depuis ce matin ? À quoi vouliez-vous que je réfléchisse ? Bah, tu n'as toujours aucun soupçon quant à l'identité du meurtrier de Madame Valbonne, ta voisine ? Ah, vous alors, vous êtes formidable ! Puisque je vous ai dit que c'était pas moi, comment voulez-vous que je connaisse le meurtrier ? Ouais. En somme, t'as rien à dire. Bah, rien ? Bah, tant pis. Enfin, tant pis pour toi, bien entendu. Parce qu'en ce qui me concerne, moi, le problème est différent. Je sais bien que nous finirons par le coincer, le coupable. À la longue, on y arrive toujours. Et nous ne sommes pas pressés. Pourquoi vous me dites ça, monsieur le commissaire ? Oh, pour rien. Tu sais que t'es dans une sale situation, hein ? Parce que je suis tricard ? Bah, t'es tricard, en effet. Ton casier est plutôt chargé. Et puis, quant à la soirée d'hier, bah, t'as pas d'alibi. Ah, vous allez pas recommencer, je vous ai déjà dit... Oui, mais je sais, je sais. Bon, écoute, Murol, je préfère jouer carte sur table avec toi, hein. Comme je viens de te le dire, t'es dans de sales draps. Rien que pour l'infraction à l'arrêté d'interdiction de séjour, tu connais le tarif, c'est 6 mois de cabane. Quant au reste, bah... N'en parlons pas, hein. Et alors ? Eh ben alors, figure-toi que je suis assez porté à te croire. Je pense pas que ce soit toi le meurtrier de Madame Valbonne. Ah, quand même, depuis le temps que je vous le répète. Non, ça, je crois pas que ce soit toi. Mais en revanche, je suis convaincu que tu pourrais nous aider à démasquer le coupable. Mais, moi, donc, je... Attends une minute, quoi. Réfléchis bien à la situation dans laquelle tu te trouves. Hein? Si je t'envoie au dépôt ce soir, t'y coupes pas de tes 6 mois. Mais au cas où tu me rendrais service, bah, je pourrais peut-être intervenir pour te faire obtenir un permis de séjour. Bah, hein? On est parti de chez nos amis plus tôt que je vous l'ai dit. Oui, vers 10 heures, je sais. Bon, après. Après, on s'est un peu promené, mais alors pas longtemps. Oui. On est rentré à la maison de bonne heure. Oui. Tu t'es couché tout de suite ? Non. Non, on a d'abord bu un coup. Puis alors, on s'est disputé, Jeannette et moi. À quel sujet ? Ah, si je vous le dis, vous me croirez pas. Bah, écoute, essaye toujours, je suis là pour ça. Bon, après tout, au point où j'en suis. Hier à midi, j'ai vu un type que je connais. Il est sur un coup, un casse, en province. Il voulait m'embringuer. Moi, j'ai refusé, vous comprenez ? Vous comprenez, monsieur le commissaire, moi, la tôle, j'en sors, j'ai pas envie de recommencer. Ouais. Ça, c'est une chose que Jeannette comprend pas. Bon, c'est pour ça que vous vous êtes disputé ? Ouais. Moi, je dois commencer à travailler la semaine prochaine avec un copain, il vend des voitures, c'est un bon boulot, sans histoire, et... mais Jeannette, elle a pas compris que j'ai refusé le casse en province. Alors, comme on avait un peu trop bu tous les deux, bah, on s'est disputé encore. Oui, alors, d'accord, vous vous êtes disputé. Bon, mais après ? Après, je me suis couché. Tu t'es couché, mais ta femme... Elle était furieuse, elle m'a même menacé de me plaquer. Mais s'est couchée, elle aussi ? Non, pas tout de suite. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait, alors ? Je crois qu'elle est ressortie pour faire un tour. Non, mais tu crois ou t'es sûr ? Je peux pas vous répondre, monsieur le commissaire. Bah, tant pis pour toi. Tu pourras pas te plaindre que je t'ai pas donné ta chance, hein ? Bon, bah, je vais m'occuper de ton transfert au dépôt. Mais pour quelqu'un qui a tellement peur de retourner en prison, c'est moche, hein, d'avoir 6 mois assurés. Oh, vous pouvez pas m'obliger à faire ça, monsieur le commissaire, c'est ma femme. Oh, c'est ta femme, oui, mais enfin, hein, vous vous entendez tellement bien. Vous chamaillez sans arrêt, vous l'êtes plaqué, oui, tu viens de me dire. D'accord, bon, mais... Ah, mon vieux, si tu préfères tes 6 mois de cabane à ton aise,
Moi, ça m'est égal, hein. De toute façon, j'ai suffisamment de preuves contre elle. Bourtin ! Oui, patron ? Mandez une voiture pour descendre Murol au dépôt. Motif infraction à un arrêté d'interdiction de séjour. Attendez ! Oui ? Vous êtes sûr que... Quoi ? Que j'aurai un permis si je vous confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Bah, sûr... Disons que c'est très probable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? L'inspecteur Hourtin va prendre ta déposition. Mais pas de blague, hein, Murol ? Tu ne vas pas changer d'avis une nouvelle fois. Vous pouvez être tranquille, monsieur le commissaire. Bon. Emmenez-le Hourtin et enregistrez ce qu'il va vous dire au sujet de sa femme... qui est ressorti de leur logement hier soir à l'heure approximative où Madame Valbonne a été assassinée. Bien, patron. À propos, Madame Mata est dans le couloir. Bah, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Vous lui avez dit de venir pour faire sa déposition. Ah, oui. Et Condrieu vient de l'enregistrer, mais elle a demandé à vous voir avant de partir. Bon, eh ben, envoyez-la, moi. Bien, patron. Allez, Murol, viens par ici. Entrez, madame, entrez. Asseyez-vous. Vous avez demandé à me voir ? Oui, monsieur le commissaire. Je suis venue comme vous me l'aviez demandé. J'ai signé les papiers. Voilà. Et alors, l'assassin, vous allez bientôt le découvrir ? L'assassin ? Oui. Oui. Enfin, je crois que nous savons déjà qui c'est. Déjà ? Oh, ben, c'est formidable, ça, dites donc. Eh ben, vous devez être rudement fier de vous, hein ? Fier de moi ? Je fais mon métier, moi, c'est tout. Oui. Dites, monsieur le commissaire, je voulais vous demander le... Oui. Le logement de madame Valbonne va être disponible maintenant. Il est plus grand que le mien. Alors, ce serait bien commode pour moi avec les deux enfants. Vous croyez que je pourrais avoir une réquisition ? Ah ben ça, alors vous perdez pas de temps, au moins. Ah ben dites donc, on peut dire que la mort de votre voisine vous arrange, hein ? Oh ça non, monsieur le commissaire, oh non, il faudrait pas croire, je l'aimais bien, moi, cette pauvre vieille. Oh d'ailleurs, je l'ai souvent aidée, je lui préparais son dîner tous les soirs. Mais je sais, vous l'avez déjà dit. Tiens, ben à propos... Vous m'avez également dit que Madame Valbonne n'avait pas d'argent, n'est-ce pas ? Ben oui, pourquoi ? C'est curieux. Parce que tout le monde dans le quartier a l'air convaincu qu'elle avait un trésor caché quelque part. Oh, allons donc, bon. Mais moi aussi, je l'ai entendu raconter. Ben, je sais bien que c'est pas vrai. Comment le savez-vous ? Ben, elle me l'aurait dit, bien sûr. Mais on était en bon terme, toutes les deux. D'ailleurs, vous pouvez fouiller chez elle, hein, vous ne trouverez rien. Ça, j'en suis certaine. Ces pièces d'or, elles n'existent pas, alors. Comment savez-vous qu'il s'agissait de pièces d'or ? C'est ce qu'on raconte dans le quartier. Oui. Votre mari est mort l'année dernière et vous avez du mal à élever vos enfants, n'est-ce pas ? Oui. Il vous faut travailler dur. Oh, ben ça oui, monsieur le commissaire. Pourtant, vous avez un ami qui n'hésite pas à vous emprunter le peu d'argent que vous gagnez. Oh, il est jeune, monsieur le commissaire. Oui, je sais, je sais. Vous étiez en bon terme avec Madame Valbonne. Oui. Vous passiez chez elle tous les matins pour lui confier votre bébé. Oui. Vous m'avez même dit qu'elle était souvent couchée quand vous le lui ameniez. Alors, comment faisiez-vous pour rentrer chez elle ? Elle vous avait confié sa clé ? Oui, monsieur le commissaire. Ah oui, je vois. Je me demande si j'ai pas fait fausse route jusqu'à présent. Il y a peut-être une autre explication. Voyons. Hier soir, un peu avant 11h, vous avez entendu du bruit. Vous avez d'abord cru qu'il s'agissait de vos voisins Murol, mais vous vous êtes rapidement rendu compte que cela ne venait pas de chez eux. Vous vous êtes demandé s'il n'était rien arrivé à la vieille Madame Valbonne. Vous avez pris la clé de sa porte et vous êtes descendu chez elle. Vous n'étiez pas seul. Votre ami était là, il vous a accompagné. Non, non, monsieur le commissaire. Non, laissez-moi terminer, voulez-vous ? Vous avez trouvé votre voisine ligotée sur son lit, moitié évanouie de frayeur. Mais... Vous avez naturellement détaché ses liens et son bâillon. Elle vous a expliqué qu'on l'avait volée. Comme tout le monde dans le quartier, vous saviez qu'elle avait de l'argent caché quelque part.
Mais... Alors, vous lui avez sans doute demandé si on le lui avait pris. La pauvre vieille ne savait plus où elle en était. Elle a soulevé la lame de parquet pour voir si son trésor était toujours là. Et alors, vous avez vu les pièces d'or. Non. Vous et votre amant qui avez tellement besoin d'argent. Non, non, monsieur le commissaire, non, je vous ai dit qu'il n'était pas venu hier soir. Bien sûr, vous me l'avez dit. Vous avez essayé de le protéger, c'est normal. Vous avez dû être affolé quand il a saisi la statuette de bronze, quand vous l'avez vu frapper. Non, frapper, non, non, frapper. C'est pas lui. Essayé de le retenir, mais sans succès, parce qu'il est jeune, fort. La vue des pièces d'or l'a rendu comme fou. Non. Quand il a pris conscience de ce qu'il venait de faire, il était trop tard. Il n'y avait donc plus qu'une solution, détourner les soupçons. Alors il a soulevé la vieille dame, l'a remise sur le lit, en se disant que les cambrioleurs avaient certainement laissé des traces, qu'on les rendrait responsables du crime. Il a de nouveau attaché les poignets et les chevilles de Madame Valbonne. Il les a pas serrés, c'était inutile maintenant. Non, non, c'est pas vrai, monsieur le commissaire, non, non, c'est pas lui, c'est pas lui, monsieur le... Si, madame Mattel. Allez, donnez-moi son nom. Son adresse. Non, vous n'avez pas de preuves. Pas encore, bien sûr. Mais nous retrouverons les pièces d'or. Vous savez, il n'a pas pu les emmener bien loin. Puis nous n'aurons pas de mal à prouver sa culpabilité. Allez, vous feriez mieux de m'aider, hein? Alors, madame Maté, vous savez bien que vous ne pouvez pas le protéger longtemps. Je ne sais pas ce qu'il vous a promis, mais... Il m'a dit qu'on aurait de l'argent. Comme ça, on pourrait se marier. Oh, c'est pas sa faute, monsieur le commissaire. Il voulait m'aider. C'est dur d'élever les deux enfants, vous savez. Mais je sais. Non, voyez-vous, vous aviez tort tout à l'heure. Je suis pas fier de moi. Mais je fais mon métier consciencieusement.